qu'il me soit d'abord permis de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir voyagé en délégation. Il s'agit du club de randonnée de Djepel, ici en terre de Ziguincha. Et je voudrais magnifier l'accueil qui nous a été réservé. Ça se poursuit encore, ça montre la chaleur qui existe ici au niveau de Ziguincha. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je me joins à cette délégation pour venir participer à la randonnée qui aura lieu demain. Je dois à la vérité de dire que le club de randonnée de Djepel est un club très dynamique. La semaine dernière même, c'était l'école IPG-ISTI qui organisait une randonnée panafricaine. Aujourd'hui, nous sommes à Ziguincha pour participer à une autre randonnée. Certainement, le thème n'est pas le même, mais nous marchons en solidarité, nous marchons ensemble, nous marchons pour échanger, nous marchons pour nous apprendre les uns les autres, nous marchons pour montrer à la face du monde que c'est un peuple debout, un peuple uni et solidaire. Merci Monsieur le Maire et nous espérons que vous reviendrez la prochaine fois. C'est toujours un plaisir de venir en pèlerinage à Ziguincha et à Bignona. Pour avoir servi pendant 8 ans à Bignona, au collège Aoun Sané de Bignona. Et donc il m'arrivait très souvent de venir passer des week-ends ici ou venir à l'occasion de la fin du mois. C'est donc un pèlerinage pour moi, c'est un retour aux sources. Et ce retour m'a beaucoup appris et a ouvert encore davantage mes yeux pour me rendre compte de ce que je savais déjà, que c'est un peuple très chaleureux, c'est un peuple convivial, c'est un peuple vraiment aimable et je fais partie de ce peuple de Casamance.